Et tu n'as plus que 10 secondes pour t'abonner, liker et commenter cette vidéo, sinon tu n'auras jamais le prochain pass de combat gratuit sur ton compte Fortnite. Perso, fais-le, j'aimerais bien l'avoir gratuitement à ta place. Juste avant de commencer la vidéo les potes, je vous mets directement tout simplement le 6ème gagnant qui a gagné 20€ de V-Bucks. Voilà, bien joué à toi, je te contacte très prochainement. Du coup voilà les potes, vous le savez, vous avez dit que si on atteignait les 1000 soutiens avec mon code créateur, je vous offrais 200€ de V-Bucks pour vous remercier. Du coup, comme je vous ai promis, 20€ x 10 qui est égal à 200€ de V-Bucks. Du coup, il reste encore 4 gagnants pour essayer de remporter 20€ de V-Bucks. Du coup, pour participer, il y a un plus simple. Déjà de 1, tu mets mon code créateur sur Fortnite et juste devant tes yeux. Et de 2, tu mets un commentaire avec écrit mon code créateur suivi de ton pseudo Epic Games et suivi de ta plateforme. Du coup, si tu joues sur PS4, PC, Xbox, tu le mets. Tout ça est disponible grâce à mon code créateur. Donc du coup merci à toutes les personnes qui le mettent. Et en tous les cas, je t'avais souhaité une bonne vidéo à tous. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une vidéo incroyable. Il y a plein de nouvelles informations et comme d'habitude je vous les dois de vous les raconter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, en termes d'informations dans cette vidéo, là on est au top du top. En tous les cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas tous à vous abonner. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite. Donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. En même temps, je vous mets directement tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube hier. Bienvenue à vous, voilà. Du coup, si tu veux passer dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné, abonne-toi à la chaîne et peut-être que tu passeras dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné demain, qui sait. Et surtout les potes, qu'est-ce qu'on va commencer la vidéo? On met un petit pouce bleu, on va faire quelque chose ensemble les amis. Si on atteint les 2000 likes avant minuit, 2000 likes avant minuit, c'est super chaud. Écoutez-moi bien, je vous fais 2 vidéos par jour jusqu'à la fin de la semaine. Du coup, pendant une semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mieux que je vous fais une vidéo par jour. Là, je vous ferai 2 vidéos par jour avec des informations de malade, 2000 likes sur une vidéo et je vous le fais. Bon. Comme je vous l'ai dit les potes, aujourd'hui on a vraiment pas mal d'informations. Et sérieusement, restez bien jusqu'à la fin parce que voilà, comme je vous l'ai dit, en termes d'informations, on est vraiment au top du top du top. Bon, juste avant de commencer la vidéo, voilà, vous êtes nombreux à me le demander à chaque fois. Comment je fais pour vous faire gagner autant de cadeaux? Tout simplement, tout ça est disponible grâce à mon code créateur et vous le savez, mais aussi grâce à Stronger Rider. Je vous mets directement sa chaîne devant vos yeux et sa chaîne en description. Tout simplement, il me passe la moitié de l'argent pour faire des cadeaux, etc. Je joue avec les abonnés, pour gagner des packs, etc. Du coup, la moindre des choses et que je vous demande, c'est vous abonner à sa chaîne YouTube pour lui remercier. Sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à vous abonner, ça lui fera extrêmement plaisir et ça me fera aussi extrêmement plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on va pas dire dans cette vidéo? Comme je vous l'ai dit, on a vraiment des informations de malade. Déjà de 1, je vous montrerai comment les maisons seront inondées dans le prochain pass de combat. Je vous montrerai un exemple et sérieusement, c'est incroyable. La deuxième chose, les potes, on va parler du nouveau skin poisson qui va arriver dans le prochain pass de combat. Alors, non, pas dans le pass de combat, mais dans la boutique Fortnite dans le prochain pass de combat. Il a été confirmé et c'est incroyable. La troisième chose, les potes, je vous parlais que tout simplement on a une nouvelle image de ce planeur que je vous ai parlé hier. Le planeur escalier et il est quand même plutôt énorme. La quatrième chose, les potes, on va parler que tout simplement Fortnite vont bientôt faire un deuxième pack pour toutes les personnes qui ont acheté Sauver le Monde. Ils recevront des récompenses gratuites dans le mode Battle Royale et sérieusement c'est quand même plutôt énorme. Et pour terminer, on parlera du pass de combat gratuit. Je vais répondre à toutes vos questions encore une fois. Est-ce qu'il va être gratuit? Comment on va pouvoir l'avoir s'il est gratuit? Et s'il est pas gratuit, il y a une autre manière pour que vous l'avez gratuit. Restez bien jusqu'à la fin. Bon, on part directement pour la première chose les potes, tout simplement voilà, vous êtes pas sans savoir, dans la prochaine saison on aura tout simplement des maisons sous l'eau, des maisons inondées, vous prenez ça comme vous voulez, voilà, c'est plus un secret pour personne. Et tout simplement un joueur a recréé une maison sous l'eau pour qu'on comprend comment ça va être dans le prochain pass de combat. En gros, si vous préférez, là la chose que je vais vous montrer là, bah tout simplement vous allez voir les maisons inondées avant la sortie du prochain pass de combat. Alors voilà, la chose que je vais vous montrer là ne sont pas les vraies maisons inondées qu'il y aura dans le prochain pass de combat, mais plutôt un point de vue. Du coup vous pourrez voir à quoi va ressembler les maisons inondées dans le prochain pass de combat, qu'on va pouvoir récupérer un coffre, du loot, etc. On perd pas plus tant que ça. Je vous le mets directement à l'écran, voici à quoi va ressembler les maisons inondées dans le prochain pass de combat. Voilà, on peut voir directement que c'est super réaliste. Apparemment aussi dans le prochain pass de combat, on aura un souffle, ça veut dire que tu pourras rester sous l'eau pendant très peu de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment il y aurait des maisons inondées de ces inondés. Ça veut dire qu'on pourra respirer sous l'eau. Du coup on aura une barre de vie entre guillemets. Et quand cette barre de vie se termine, bah on meurt noyé. Du coup les potes, on peut s'attendre à vraiment des maisons inondées comme je vous l'ai montré là dans le prochain pass de combat. Et des maisons complètement inondées, vraiment sous l'eau, où tu aurais très peu de temps pour fouiller les coffres, sinon tu meurs bah tout simplement de noyade. En tout cas, j'attends vraiment de voir votre avis dans l'espace commentaire. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de rajouter des maisons inondées. Ça rajoute complètement un nouveau mécanique de jeu, on va pas se mentir. En tout cas, votre avis est le plus important. Tout ça dans l'espace commentaire et on part directement pour la deuxième chose. Et la deuxième chose, les potes, tout simplement, rappelez-vous, je vous avais parlé d'un skin poisson, un skin qui poisson qui mangeait un autre poisson. Est-ce que vous vous en rappelez? Je sais que c'est flou, on perd pas plus tant que ça. Je vous les montre directement à l'écran. Voilà, vous le savez, je vous l'avais déjà montré pour tous les nouveaux. Bah voilà, vous découvrez.
Tout simplement, normalement, ce skin arrivera dans le prochain pass de combat. Je vous l'avais déjà dit, c'était un concept, mais il n'avait pas encore été confirmé. Et bah là, ça vient d'être confirmé sur Reddit. Tout simplement, ce skin que vous avez directement à l'écran arrivera dans la boutique dans le prochain pass de combat. Voilà, vous allez me dire, bah comment tu sais, etc. Bah tout simplement, plusieurs employés d'Epic Games, donc tout simplement qui gèrent le Reddit de Fortnite, ont aimé ce post. Croyez-moi, quand plusieurs employés d'Epic Games aiment le post, que ce soit sur un skin concept, un concept, etc., il arrive à un moment donné sur le jeu. Du coup, voilà, attendez-vous quand dans les prochains jours, dans le prochain pass des combats, dans la boutique Fortnite, on aura tout simplement un skin poisson, se faire manger par un poisson. On aura trois variantes et voilà. Vous me dites tous dans l'espace commentaire, est-ce que vous les trouvez beaux ou est-ce que vous les trouvez moches? Moi, ce skin, je vais l'acheter parce que j'aime bien les skins trolls comme ça. En tout cas, tout ça dans l'espace commentaire et on part directement pour la troisième chose. Et la troisième chose, les potes, tout simplement, rappelez-vous hier, je vous avais parlé d'un planeur qui pourrait faire surface dans le jeu parce qu'il avait fait un buzz sur Reddit. Bah tout simplement, ce planeur a une nouvelle image. Rappelez-vous de ce planeur escalier que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Tout simplement, pour tous ceux qui ne savent pas ou qui sont nouveaux, tout simplement, on aura très bientôt aussi un nouveau planeur escalier sur Fortnite Battle Royale. Alors, il n'est pas encore sorti, mais il va arriver très bientôt. En gros, tout simplement, quel est ce planeur? Ce sera un planeur où tu descends des escaliers invisibles, plutôt des escaliers nuages, vous prenez ça comme vous voulez, sur Fortnite Battle Royale. On perd pas plus tant que ça. Je vous le montre directement à l'écran, voilà un extrait en 3D et voilà à quoi va ressembler ce planeur en escalier. Voilà, on va pas se mentir, il est quand même plutôt génial, moi j'aime bien. C'est vraiment un planeur où je vais m'acheter tout simplement et l'utiliser. Du coup, encore une fois dans la vidéo d'hier, dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce planeur d'escalier que je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Voilà, là je vous ai montré un vrai exemple de quoi je voulais parler dans la vidéo d'hier. Vous me dites tous dans l'espace commentaire, est-ce que si ce planeur escalier arrive sur le jeu, même, c'est même sûr à 100% qu'il arrivera, est-ce que vous allez l'acheter ou non? Tout ça dans l'espace commentaire et on part directement pour la quatrième chose. Et la quatrième chose, les potes, tout simplement, voilà, vous le savez, il y en a qui jouent à sauver le monde sur le jeu. Bah c'est même assez logique. Et ben tout simplement, vous le savez aussi, tous ceux qui achètent sauver le monde, vous avez normalement deux récompenses dans le mode Battle Royale, que ce soit une pioche et un planeur, si je dis pas de bêtises, ou deux pioches. En tout cas, c'est soit un planeur avec une pioche ou soit deux pioches. On tient la récompense en achetant sauver le monde. Et ben tout simplement, il y aurait une rumeur sur Reddit que tout simplement Fortnite vont mettre une méga promo. Bon, une méga promo, je sais qu'ils avaient déjà mis 50%, donc là c'est énorme, mais d'après des rumeurs sur Reddit, et vraiment, les rumeurs sur Reddit sont souvent vraies. Tout simplement, quelle est cette rumeur? Bah tout simplement, on aurait un nouveau pack gratuit pour tous ceux qui achètent sauver le monde. Alors, non, je vous le dis directement, c'est qu'une rumeur, donc du coup, tout ce que je vais vous dire là, prenez-les avec des pincettes parce que rien n'est sûr, c'est qu'une rumeur. Quelle est cette rumeur? Bah tout simplement, sur Reddit, il y aurait une méga promo, comme je vous le dis, sur les prix de sauver le monde. Du coup, quand on achètera sauver le monde le plus cher, donc je sais pas il est à combien, mais voilà, comme ce sera vraiment une méga promo, je pense qu'il coûtera le sauver le monde de d'habitude, mais tout simplement sans la promo, enfin bref, vous m'avez compris. Et tout simplement, quand tu l'achèteras, tu recevras un nouveau pack gratuit, tout simplement. Quel est ce pack gratuit? Tout simplement, tu aurais le skin zombie dans sauver le monde que je vous mets directement à l'écran. Donc voilà, un skin zombie du mode sauver le monde dans Fortnite Battle Royale. Ben, je sais pas trop à quoi il va ressembler, il a l'air d'être super moche déjà. Et on aurait tout simplement un nouveau sac à dos gratuit, le robot de sauver le monde, si je dis pas de bêtises aussi, que je vous mets directement à l'écran aussi. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire. Alors, voilà, je préfère me répéter, ce n'est qu'une rumeur, rien, mais rien n'est sûr. Mais en tout cas, vous êtes au courant, apparemment, très prochainement, on aurait tout simplement une méga promo sur les prix sauver le monde. Et tout simplement, si on achète sauver le monde le plus cher qu'il y a actuellement, mais comme il sera en méga watchy prix, etc., bah tout simplement, il coûtera vraiment pas trop cher. On va dire, et ben tout simplement, on pourrait avoir un nouveau pack avec un skin gratuit, le skin zombie de sauver le monde et le sac à dos tout simplement robot de sauver le monde, si je dis pas de bêtises aussi. Ce n'est qu'une rumeur, donc prenez ça avec des pincettes, rien, mais rien n'est sûr. Bon, on part directement pour le sujet principal de cette vidéo. On va parler si le pass de combat sera gratuit dans la prochaine saison. Alors voilà, on va revenir dans le contexte tout simplement. Fortnite chapitre 2 saison 2, du coup le pass de combat qu'on a actuellement, est le pire pass de combat de l'histoire de Fortnite Battle Royale. Ils ont fait beaucoup moins de joueurs, c'est le pire pass en termes d'événements, en termes de nouveautés sur le jeu. Du coup, ce pass de combat qu'on a actuellement, voilà, avec Midas, l'agence, etc., est le pire pass en nombre de joueurs. En gros, ils ont fait beaucoup moins de joueurs qui font tout simplement d'habitude sur le jeu. Du coup, il y avait eu plusieurs théories, plusieurs rumeurs là-dessus que tout simplement le pass de combat serait gratuit dans la prochaine saison. Pourquoi du comment? C'est que tout simplement
simplement. Rappelez-vous, il y a maintenant 2 ans de cela, on avait eu un pass de combat gratuit avec les défis Ultime Effort que je vous mets directement à l'écoute. Tout simplement, s'ils avaient mis le pass de combat gratuit il y a maintenant 2 ans, ils avaient fait la même chose que ce pass de combat. Il y avait eu beaucoup moins de nouveautés et il y avait eu beaucoup moins de joueurs. Du coup, la solution à Fortnite, tout simplement pour que les joueurs reviennent sur le jeu, c'était de mettre le pass de combat gratuit. Voilà, vous le savez, je l'explique dans toutes les vidéos. Et bah actuellement, ça revient à la même chose. Le cycle se répète, ce pass de combat est le pire pass de combat de l'histoire qu'ils ont fait, même pire que le précédent quand ils avaient mis le pass de combat gratuit. Du coup, oui, il y a vraiment des chances que le pass de combat serait gratuit. Et voilà, je préfère le répéter, rien n'est sûr. Du coup, il y avait eu plusieurs, mais vraiment plusieurs théories là-dessus, etc. Et il y a une semaine de cela, rappelez-vous, je vous l'avais dit tout simplement, il y avait eu un message anonyme sur Reddit. Et ce message anonyme nous disait quoi? Nous disait que tout simplement, les défis Ultime Effort, il les avait dévoilés. Il avait dit qu'il allait avoir plusieurs défis pour débloquer de l'XP, 80 000 XP chacune. Et on a avoir 2 nouvelles variantes pour le Miaous et pour la banane, rappelez-vous aussi. Et il avait dit entre parenthèses, passe de combat gratuit. Du coup, rappelez-vous, tout nous laisse à croire que tout simplement le pass de combat prochain serait gratuit. Et c'était ce même compte anonyme qui nous avait dit que tout simplement il y allait avoir des défis Travis Scott 1 semaine à l'avance. Et là, ce même message anonyme nous dit que tout simplement, plutôt, il nous a dévoilé les défis Ultime Effort et il l'avait mis entre parenthèses, passe de combat gratuit. Du coup, oui. Il y avait 90% de chances que le pass de combat serait gratuit dans le prochain pass. Mais on a eu des nouvelles, oui, des nouvelles pas très bonnes. Tout simplement, Fortnite ont communiqué qu'avec le concert de Travis Scott, ils ont rassemblé plus de 47 millions de joueurs. Alors non, pas 47 millions de joueurs en même temps, mais 47 millions de joueurs avec les 5 concerts. Du coup, qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs qui ont commencé Fortnite grâce à ça. Et beaucoup d'anciens joueurs qui reprennent Fortnite. Du coup, les joueurs reviennent sur le jeu. Du coup, ce pass de combat, tous les anciens joueurs reviennent sur le jeu. Du coup, je vais être sincère avec vous, il y a vraiment des très, mais des très peu de chances que le pass de combat serait gratuit maintenant. Parce que voilà, tous les anciens joueurs de Fortnite, bon, pas les plus gros, mais certains, sont revenus sur le jeu. Une partie de la communauté qui était partie tout simplement de Fortnite parce qu'ils n'avaient pas aimé le pass de combat saison 2, sont revenus grâce au concert de Travis Scott. Du coup, à l'heure actuelle, je vais être franc avec vous, il y a vraiment des très peu de chances que le pass de combat serait gratuit dans les défis Ultime Effort qui arrivent dans 1 semaine. Alors du coup, comme c'est moi qui a balancé la rumeur, tout simplement, qui a commencé à balancer la rumeur du pass de combat gratuit, en tout cas j'étais l'un des premiers, tout simplement il y aura bientôt une nouvelle mise à jour dans quelques jours et c'est là qu'on va pouvoir découvrir si le pass de combat sera gratuitement avec les défis Ultime Effort. Alors du coup, je vous referai une autre vidéo et je vous le dirai tout simplement si le pass de combat sera gratuit ou non. Du coup, s'il sera gratuit dans les défis Ultime Effort comme ce message anonyme qu'il nous avait dit, et ben tant mieux, mais s'il n'est pas gratuit, pour m'excuser, tout simplement, je vous offrirai 10 passes de combat gratuits. Voilà, pour vous, pour les abonnés, pour m'excuser. Voilà, c'est la moindre des choses. C'est moi qui a balancé la rumeur. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment très peu de chances que le pass de combat va être gratuit à cause de ces nombreux de joueurs qui sont revenus sur le jeu. Du coup, voilà, maintenant, vous le savez. Dans quelques jours de cela, on va pouvoir découvrir si le pass de combat sera gratuit. Je vous ferai une vidéo si le pass de combat sera gratuit ou non. Et s'il n'est pas gratuit, je vous offrirai 10 passes de combat pour m'excuser. Voilà, les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura fait plaisir. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas tous à vous abonner à la chaîne. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite. Donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout de mettre mon code créateur. Merci à toutes les personnes qui le mettent. En tous les cas, je t'avoue souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.